الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc parmi les choses légiférées à faire à Médine, donc visiter deux mosquées et trois tombeaux. La mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم, la mosquée de Quba, le cimetière du Baqi', le cimetière des Shuhada de Uhud et la tombe de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux nobles compagnons Abu Bakr et Omar. Nous sommes ici au cimetière du Baqi', Baqi' al-Gharqad. Ce cimetière qui est le cimetière des gens de Médine. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré ses compagnons, là où certaines de ses femmes sont enterrés également, et là où les musulmans, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection, seront enterrés. Sachez également que dans la visite des cimetières, celui qui est enterré profite de l'invocation des visiteurs, et celui qui visite également, il profite, puisqu'il y a une grande récompense dans la visite des cimetières. Et c'est pour cela qu'il est important, lorsque nous visitons les cimetières, de nous rappeler de la mort. Et pour cela, afin de se préparer. Nous nous rappelons de la mort, pourquoi ? Pour se préparer à cette mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Akthiru dhikra hadhi min ladhat al-maut » Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Celui qui visite Médine, il peut venir à son aise après la prière du Fajr, après la prière du Asar, c'est ouvert au grand public et vous pouvez venir et invoquer pour les morts, pour les morts qui sont enterrés au Baqi', et cela, en faisant cela, nous suivrons la sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith « Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah » ou comme qala alayhi salatu wa salam, il nous dit alayhi salatu wa salam « Je vous avais certes interdit de visiter les tombes, à présent visitez-les, car elles vous rappellent la mort. » C'est pour cela que celui qui est à Médine, il va venir pour visiter ce cimetière pour invoquer en faveur des défunts. Et en faisant cela, il gagnera beaucoup de récompenses. Parmi les récompenses, c'est de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « visitez les tombes ». Également, parmi les récompenses, il y a le fait d'être bon envers les musulmans. Puisque lorsque nous disons l'invocation Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minin wa al-muslimin, nous invoquons en réalité pour tous les morts de la communauté. Également, en faisant cela, nous allons nous accrocher à la sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, en faisant cela et simplement en voyant ces tombes, en voyant qu'il y a des gens
qui étaient vivants avec nous et qui aujourd'hui sont sous la terre, sont enterrés. Dans cela, nous allons nous réformer. Dans cela, nous allons nous rappeler de la mort. Il n'y a aucun doute que dans ce cimetière, les meilleurs des créatures après les prophètes sont enterrés. Les compagnons, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que certains historiens ont rapporté que plus de 10 000 compagnons sont enterrés au Baqi'a. Également les savants de la communauté, également les musulmans jusqu'à nos jours sont enterrés ici. C'est-à-dire que la tombe, c'est notre future demeure. Aujourd'hui, alhamdoulillah, nous sommes dans des hôtels, nous habitons dans des appartements, dans des maisons. Mais en réalité, notre prochain déménagement, notre prochaine destination, c'est notre tombe. Al-haakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.